Ouais, t'as un bon petit feu? Tu bois un taxe? Non, non, je suis là, c'est à moi. Ah, ok, thank you, Bob, t'es en marche. T'as un autre temps? Non, non, mais. Ah, bon taxe, tu vas pas y venir maintenant? Il est venu, hein? Ouais. Hein? Ce qu'il y avait à dire? Taxe, c'est bien. C'était un beau plan. C'était le mieux que fait le plan pour ça. Ah oui? Tu penses? La méthode, le mieux. Tu fais les géométries d'histoire. Pour faire d'histoire, là. Hein? Une dépression. Ok, vendu. Ouais, je vais sur le niveau, là. Coupe-tu, là? Moi, il n'y a rien que j'aille plus. Craquer après ça, je viens de dire. Il y a des hacks partout, ce gars-là. Non, oui. C'est le premier qui a construit, il a construit ça l'hiver, lui et son frère. Il partait de Milwaukee avec les chiens le matin, puis il montait le lac Pequenoque, montait le creek, là, le Pequenoque, le lac des Aides, puis il a travaillé dessus, puis il retournait avec les chiens le soir. Il a tout construit ça l'hiver. Il n'y avait pas de chemin encore. Non. Il n'y avait pas de chemin. Ça fait qu'il rentrait par le lac Bitobi. Par le Bitobi. Ouais, Bitobi, là, puis il y a un creek entre le Bitobi et le Aides, le lac des Aides, puis il montait là, avec les chiens, sur la glace. Là. Mais c'était-tu déjà la réserve à ce moment-là? Oh. Ouais, lui, la tête connaît quasiment les Indiens, ça va dire. C'est tous les plus vieux. C'était pas un problème, tu pouvais pas ça. Sauf que lui, il est bâti, de ce qu'il est bâti, son frère, c'est pas côté réserve. Le lac des Sept, là, côté ouest du lac, c'est la réserve indienne. Mais pas ce côté-ci. Pas côté de ce qui était de côté est. Non, il y avait son bail, là, tout, mais il n'y avait pas le choix, là. Après ça, ben, il a construit le. Je sais pas pourquoi il a fait le deuxième. Ouais, pourquoi? Moi, une famille a grandi, je sais bien. Mais il a fait la Cruz. Il a travaillé sur la Cruz, il a un garde forestier. C'est tôt. C'est tôt, puis il a rouvré le portage. Là. Mais la Cruz, la Cruz. Canot, là. La Cruz, c'est quoi ça? La Cruz, c'est une muserelle de bois. Il envoyait des marchés de bois pour savoir comment c'était de 1000 pieds de bois ici qu'on devrait couper. Puis il marchait ça à chaque. C'était tout d'indiquer ses quatre. Il y avait des chaînes, hein? Combien de pieds? 60 pieds une chaîne? Ouais. Quoi, il y avait un gars de compas et un gars qui marquait, tu sais, avec ce nombre de chaînes, tant de degrés. Là, puis il marquait tout un territoire pour la prochaine coupe pour la CIP. Les autres, c'était les gars qui pouvaient marcher le bois, puis dire qu'il y avait tant de bois. C'est ça, ils nous gardent les arbres, là, puis ils disaient, ben, ok, on va sortir. Ils pensaient l'hiver dans le bois, ces gars-là. Là. C'est vrai qu'il y avait des chiens traîneaux. Tu faisais ça l'été comme l'hiver comme l'été? Je sais pas si faisais ça l'été, je fais l'hiver, je faisais ça en raquette. L'été aussi. J'ai vu des films, au moins, ils sont dans les tentes, de toile, là, puis. Ouais, j'avais des chiens pour chauffer du stock, le poêle, tout ça. Là. Cinq chiens. C'était 50 cents par jour pour chaque chien. Peut-être utile, je peux te le dire. On a déjà travaillé ici. Vous n'avez pas fait ça, vous, la dame? Non. En temps de la rave, je travaillais toujours au garde-feu. Même quand j'étais à garde-feu, j'ai toujours été bien reçu. Le garde-feu, c'est des bons gars. Mon job à faire. Le monde comprend ça, même les barcaniers comprennent que les gars de chasse ont un job à faire. Ils sont. Ils l'acceptent demain. Ben, c'est comme jouer aux cartes. Hein. Des perdants et des gagnants. Des fois, les barcaniers gagnants, des fois, c'est les gars de chasse qui gagnent. Le perdant, il accepte ça. La plupart du temps. Pas négliger mon ouvrage, ma famille. Vous avez eu combien d'enfants? Quatre. Ouais, j'étais 17 ans pompier, chef pendant 10 ans. Ah, oh, j'ai fait un petit brin de tout.
c'est quoi que vous avez fait comme, comme travail ou comme occupation qui vous a le plus intéressé, passionné de, dans toutes les choses que vous avez faites? Oh, je pense que les années de garde, quand j'étais garde de feu pour la CIB. Ça se trouve à faire combien d'années que vous faites l'entretien de fournaise? On va faire 40 ans le mois prochain. Avez-vous toujours fait juste l'installation, l'entretien ou l'installation? Bon, l'installation, l'entretien. Tout ce qui concerne la bocale. Vous souvenez-vous ce qui vous a amené à faire ça? Ben, je travaillais pour l'employeur, j'installais des pompes à gaz, c'est une station de service pour les jobbers d'en haut. Puis dans le temps, l'employeur, il y avait besoin d'un gars pour travailler dans les fournaises. Ils me l'ont offert. Vous avez continué depuis ce temps-là? Oui. Vous vous trouvez à faire ça dans les maisons privées, puis dans les églises comme ici, puis n'importe où dans le fond? Ah oui, n'importe où. Je ne vais pas négliger mon ouvrage et ma famille. C'est sûrement pas en allant réparer sa fournaise que vous avez rencontré Bob? Non. Comment vous vous êtes connu, au fait? Vous allez me raconter ça. Ça va, comme tout le monde à Maniwaki, on s'est toujours connu. Bob, quand tu étais jeune, ben, t'as bien intéressé dans les radios, les télévisions. Mm-hmm. Puis mon frère, lui, il vendait des radios et des télévisions. Donc Bob, il s'en a pas mal, autour de là. Quand il était pas à l'école, il était chez John, pour mon frère. Puis vous, ça vous a vraiment intéressé d'essayer de faire ça? Non. Vous aviez un métier qui marchait bien. J'avais bien d'autres métiers. Là, vous avez quand même commencé à faire du film, puis du vidéo, puis des choses comme ça? Oui. Mais... pas rentrer dans les métiers des autres, par exemple. Une fois chez vous, je pense que c'était au lac des Sables, ou si c'était au lac Camp, au lac des Sables. Vous aviez parlé de d'une télévision qui avait été partie, c'était avec votre frère, je pense, qui avait été partie. C'était le câble de télévision, CPTL. CPTL, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'était... Ils ont piché. Petit saut pour mon frère John. À ce temps-là, j'imagine que vous en avez fait la télévision. Non. Non? Non, 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 moi j'en ai pas fait. Mais celle du temps que j'étais, ben, quand je m'occupais des courses de chien, par exemple, j'ai fait la caméra, je faisais la télévision, c'est souvent jeune.